Anthony Grand-Clément, je suis le manager général du club de bord de péage Drôme-Handball. Manager général, ça veut dire que je coordonne l'ensemble des activités du club et l'ensemble des personnes. Et je suis aussi l'initiateur du programme Emploi que le club porte depuis maintenant un an et demi. Le rapport entre le sport et l'insertion professionnelle, c'était simple. Pour nous, c'était de pouvoir utiliser des facteurs de sport, des facteurs de savoir-être auprès d'un public qui pouvait être assez éloigné de l'emploi et de leur permettre de rencontrer le réseau de proximité du club et notamment des entreprises privées qui nous accompagnent au fur et à mesure de nos projets depuis quelques années. Donc après une grande consultation du territoire, il s'avérait que pas mal de publics souhaitaient qu'on s'investisse sur l'insertion professionnelle et notamment par l'intermédiaire de notre réseau d'entreprises et on a souhaité du coup créer un programme qui s'appelle Emploi et qui vise à, par le sport, permettre à des jeunes et moins jeunes de participer à une action de mobilisation et de rencontrer leur futur employeur. Emploi, c'est simple, c'est trois types de contenu. Un premier type de contenu sportif pour travailler sur des savoir-être, travailler sur toutes les logiques du sport qui permettraient à rendre performants les gens dans leur état d'esprit et dans leur manière de faire. Un deuxième type de contenu qui est des contenus d'adaptation à l'emploi, un gros mot qui veut dire travailler les CV, les lettres de motivation, être capable d'être efficace et performant dans sa recherche d'emploi. Et un troisième type de contenu où là on a les temps forts de la semaine qui vise à rencontrer du réseau, notamment le mercredi soir où on fait rencontrer des personnes de notre réseau à nous par le sport, par un match de handball où avant de commencer un entretien, et ben là on va être tous en short, en t-shirt, pratiquer du hand et à l'issue, et ben, présentation des jobs possibles, des métiers possibles. On amène aussi le public de l'action à la semaine du marché de l'emploi porté par l'agglomération de Valence-Romans le jeudi après-midi. Donc des temps sport, des temps de contenu d'adaptation à l'emploi et des temps de réseau, un peu le checker qui nous permettront de valider la semaine. Emploi, c'est le programme phare, c'est le programme important dans le cadre de notre projet sociétal, mais il n'est pas unique. Déjà, il n'est pas unique en termes de thématiques. On s'investit aussi sur la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, on s'investit sur la santé au travail, on s'investit sur d'autres thématiques. Mais au-delà de ça, on s'était dit qu'on voulait être un vrai acteur qui participe à notre développement local et territorial. Et donc du coup, au-delà de Emploi, on a décidé de mettre sur notre site internet, à disposition de toutes les entreprises privées de notre réseau, un espace où chacun pourra mettre ses offres d'emploi. Et le but, c'est que la semaine d'emploi, on fasse ça toute l'année, où grâce au club et l'intermédiaire du club, on pourra faire du lien entre des personnes qui cherchent un taf et des personnes qui en proposent.